She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a. Hello, hello, bonjour la famille, bienvenue sur vos copages Buzz pour Mars, vos copages qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réel. Ici, nous sommes spécialisés dans le Béret et le Japap, des stars à travers l'Afrique et de par le monde. Aujourd'hui, une fois de plus, nous déposons nos valises au Congo, pour précisément au Congo Kinshasa, le Congo de Fally et pour par le Congo de Koffi Olomide. Hier à Paris, c'était chaud, c'était grave, c'était... Paris était en ébullition avec le concert de Fally Ipupa, annoncé depuis quelques temps à l'Arena de Paris. Il faut noter que la salle de l'Arena de Paris prend 40 000 places. On n'imaginait pas, on ne savait pas qu'un artiste francophone, en plus d'origine congolaise, pouvait faire le sold out. Le stade était plein à craquer, rien à dire. Je vous assure que c'était tellement beau, c'était tellement magnifique de voir cela. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. Et Fally devient officiellement le premier artiste francophone, africain, à avoir rempli le stade Arena de Paris en France. Je vous assure que Fally a fait fort. J'étais tellement émotionnée, la famille, j'étais tellement contente, comme c'était mon frère de sang en fait. Nous tous d'abord les Africains, nous sommes frères de sang. Avoir rempli ce stade, c'était beau. Regardez vous-même comment les gens sont sortis de par le monde entier pour venir le soutenir. Il faut qu'on reconnaisse qu'en Afrique, non, il n'y a pas d'eux. En Afrique francophone, non. C'est Fally qui nous représente le mieux actuellement dans cette génération. Il est d'abord tellement pécu de talent. Je ne sais pas quel Africain n'aime pas Fally, surtout les Africains francophones là, qui n'aiment pas Fally. Tout le monde adore Fally, tout le monde écoute Fally en boucle. Je dis bien en boucle. Au départ, c'est vrai, moi j'aimais Fally, j'aimais quelques de ses sons et tout. Mais maintenant, je suis fan de tous les sons de Fally. Ce gars est pétri de talent, c'est vraiment une bénédiction pour l'Afrique, une bénédiction pour nous, le peuple noir. Voyons-nous à faire un geste d'espoir. Je vous assure que à chaque fois que je vois ça, ça me plaît. Ça me plaît tellement. Et quand je pense qu'il y a de cela quelques temps, Lady Ponce a voulu qu'on le boycotte ici. Parce qu'il parle, on peut parler, on voit ça, c'est le boycott. Elle a voulu qu'on le boycotte ici là par rapport à son concert avec Camtel. Quand elle dit qu'on n'encourage pas les artistes camerounais ou les films nationaux n'encouragent pas. Nous-mêmes d'abord ici, on consomme quoi? Est-ce qu'on consomme 100% camerounais? Quand tu entres dans les snacks, les boîtes de nuit camerounaises, je prends mon expérience à moi. Fally joue, la rumba congolaise joue en boucle et tout le monde est debout, tout le monde est fier, tout le monde est content. Pareil pour les sons nigériens, on ne consomme pas purement camerounais. Nous-mêmes d'abord, on adore les sons de l'extérieur, de l'étranger. On dit qu'on est le continent, mais pourquoi on ne veut pas accepter que d'autres personnes aussi émergent dans notre pays? Quand on se dit continent, on accepte tout. Vous-même, regardez, le stade de Bepande quoi par rapport à ce conseil qu'il a fait. Quand c'est bien, il faut apprécier. Nous tous, on aime Fally. Moi, comme ça, j'aime Fally. Toute ma famille aime Fally. Tous les Camerounais adorent Fally. Je ne compte pas le nombre de Camerounais qui ont pris comme surnom Fally. Dans chaque quartier que tu vas passer au Cameroun, tu vas voir un gars qu'on appelle Fally. Tu vas voir un salon de coiffure qui s'appelle Fally. Tu vas voir un bar qui s'appelle Fally et tout et tout. Ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui lui a donné le talent, la raison pour laquelle il est mis comme ça. Et on ne doit que le soutenir, on ne doit que l'encourager. Allez réclamer vos sponsorings de vos films camerounais, oui, mais pas en sabotant d'autres artistes. C'est pas bon, entre nous africains, c'est pas bon. Faut qu'on essaie de se soutenir mutuellement. Moi, je suis très fière de voir Fally déjà ici à ce niveau. Il reste vraiment l'impérateur, ça c'est clair. Pour moi, dans les deux Congo, c'est le meilleur. À chacun ses goûts, hein. Mais moi, c'est mon artiste là-bas. Il est dans mon top 5 des artistes en Afrique. Ça c'est clair. Il mérite sa place. Vraiment, félicitations à Fally. Tu fais la fierté de l'Afrique. Les mots me manquent même, je t'assure, mais tu fais la fierté de l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique noire, mais de l'Afrique tout entière. Et vraiment, c'était très, très beau de voir autant de monde.